Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fait ma salle de bain, ma douche, parce qu'il n'y avait pas de douche dans ma tiny house. Et présentement, je suis en plein chantier. Le petit chat, hein? Donc voici la première étape qui a été... Bon, j'ai fait un peu une bêtise, j'avais pas mal d'ajustements à faire, je vous ai pas montré ça parce que c'était pas vraiment intéressant. Ici, la base est prête. J'ai ajouté cette petite planche de pin pour faire une sorte de marche pour que eh bien, l'eau reste ici. J'ai regardé beaucoup d'options. Il y avait l'option d'acheter une douche déjà faite, une base de douche déjà faite, ce qui est assez dispendieux, qui est quand même assez cher. On parle de 300$ minimum en général, sans compter l'installation et aussi le fait que moi, mon drain est fixe. C'est-à-dire que j'ai pas, c'est pas à moi de choisir où je mets le drain. D'où l'idée qui est venue de faire une douche complètement personnalisée, complètement custom. Et ben là... on part de zéro et donc c'est parti pour la première étape qui est en fait d'abord mettre un drain parce qu'une fois qu'il faut d'abord mettre le drain avant de faire le reste. J'ai un peu sablé tous les bords pour qu'il y ait une sorte d'accroche et on va mettre un petit peu de ciment d'ABS, c'est un adhésif pour que ça colle. Et une fois que notre drain est en place, ça c'est un drain d'évacuation, c'est pas un drain douche, mais en fait moi j'avais pas besoin de drain douche en fait. Alors quand on vit un peu anormalement, et eh bien il faut un peu trouver les choses qui vont avec ce qu'on a. Et donc voilà l'idée du drain, et après ça on va faire notre mortier, c'est parti. Voilà la première partie de la base de douche faite. C'est vraiment le fun de travailler avec du mortier de construction pour ça, parce que c'est très, pas artistique, mais il y a un côté un peu enfantin, et à la fois, ça permet vraiment de faire ce qu'on veut, parce que ici, eh bien, j'étais vraiment limité, et ça me permet vraiment d'épouser la forme de tout ça, même si j'étais à court de mortier. Et j'espère que ça va être assez parce que j'aurais besoin de peut-être un sac et quart et j'avais juste un sac de mortier. Ouais, en fait, on dit mortier, mais dans le fond, c'est vraiment une consistance de sable. Et je suis assez content parce que ça fait des mois maintenant que j'ai ce projet et que enfin, ça prenait vraiment beaucoup de préparation. Et là, une fois que ce mortier aura séché et sera prêt à travailler, vient la vraie construction de cette douche complètement custom, complètement personnalisée. Donc on va attendre que ça sèche pour quelques jours, j'ai quelques jours de travail et après ça quand je reviens, le sérieux commence.
Deuxième étape, c'est mettre les couches de résine avec ensuite notre mât, le mat de fibre de verre qui va être, je pense, deux couches, peut-être trois, je sais pas, ça dépend de... J'ai peut-être pas assez de résine en fait. La résine de fibre de verre, faut savoir que c'est un peu comme de l'alcool, donc étant dans un espace clos, assez petit, ça peut vous rendre un peu euphorique. Mais c'est pour ça qu'on est le matin, donc je fais ça le matin, comme ça, ça a toute la journée pour sécher. Moi, mon challenge, c'est que tout est vraiment fait à la Florent, donc c'est pas professionnel. On fait avec ce qu'on a. Hein. Moi, je suis pas perfectionniste, c'est vraiment loin de là. Mais là, j'ai une belle couche, une belle petite couche de résine. Mais là, on va appliquer une autre couche de résine avec cette fois ce qui va être notre douche. Donc, c'est parti. Donc voici la douche terminée, enfin c'est la première partie, je pense que je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer les finitions, parce que présentement la douche, j'en suis très heureux, ça fait maintenant un mois et quelques qu'elle est faite. Ce que j'ai ajouté pour pouvoir l'utiliser, évidemment, c'est temporairement, un peu comme dans un VR, j'ai fait ce système très simple de rideau de douche. Y arriver. Un système de rideau de douche qui permet de me doucher ici. Dans l'idéal, ce que je mettrais en fait, ce serait un petit panneau de plexiglas ou je sais pas, peut-être vous avez une idée pour moi, un panneau de plexiglas ici et un ici afin de vraiment rendre la salle de bain un peu plus hermétique et ça permettrait de pouvoir garder cet espace là sans avoir de rideau de douche, parce que c'est jamais très sympathique d'avoir un rideau de douche quand on se douche. L'autre chose, c'est vous vous demandez peut-être où est-ce que je prends mon eau. Alors j'ai un réservoir d'eau, attention c'est le bazar dans ma tiny house, mais j'ai un réservoir d'eau ici avec deux canalisations qui amènent de l'eau à l'évier et ici. Le problème, c'est que je n'ai pas encore vraiment de système d'eau chaude ou quoi. Donc, je me suis dit que pour l'instant, et probablement pour un bon bout de temps encore, j'allais utiliser ce que je vous avais montré l'an dernier, mon système de douche de campeur, qui est très très cool. En fait, c'est le pommeau de douche, la douche manuelle, et ça fonctionne très très bien. Et à la fois, ça permet d'utiliser beaucoup moins d'eau. Et c'est la raison pourquoi aussi on vit en tiny house ou en van.
Parce que ce système-là, vous pourriez très bien le faire si vous êtes en train de convertir votre van. C'est vraiment le fun de travailler avec la fibre de verre et vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Également, si j'en avais besoin, c'est ici que je mettrai ma petite boîte de toilettes compostables. Là où je vis, j'ai un autre système de toilettes, donc ça permet vraiment de ne pas avoir vraiment de toilettes à l'intérieur. Mais si j'en avais besoin, ce serait là où je mettrais ma toilette compostable. La vidéo, je vous l'avais faite pour mon, dans mon van. En fait, j'avais le même système de toilettes. C'est un système de toilettes sèches qui est, je pense, la meilleure toilette que vous pouvez avoir. Pour les pros des salles de bain et des cuisines et des éviers, j'ai pas mis de trappe, de coude pour les odeurs, parce qu'en fait il y en avait déjà un qui était plus ou moins inclus avec le système de drain que j'avais, donc au moins j'avais pas à me compliquer la vie avec ça. Mais sinon, voici donc la première partie de cette petite douche en fibre de verre faite de A à Z avec mes petites mains, et dans la deuxième partie je vous montrerai peut-être les finitions de ce système de douche. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci aux Patreons qui soutiennent les projets de ma vie en van. Bonne journée, bonne soirée si vous regardez ça le soir. Et portez-vous bien. Bye.